Dans tout ce qu'on va entendre, je pense, dans ce document, la question de départ, c'est peut-être pourquoi s'intéresser à l'histoire de la sociologie du Québec? Parce que, après tout, c'est une petite partie de l'histoire de la sociologie dans le monde. Est-ce qu'elle a une valeur particulière? Est-ce qu'elle a un intérêt particulier? En réalité, à mes yeux, je dirais que quand on est au Québec et qu'on vit au sein de la sociologie québécoise, moi je pense que c'est très utile de connaître d'où elle vient, ce qu'elle a fait, les hauts et les bas qu'elle a connus, et particulièrement quels sont certains personnages qui l'ont marqué d'une manière tout particulière, hein, et quel lien et quel rapport cette sociologie québécoise a eu avec la société québécoise. Parce que c'est une particularité de la société, de la sociologie québécoise qu'elle a eu, à différents moments, des liens très particuliers avec la société québécoise, comme on ne trouve pas beaucoup, d'abord pas dans le Canada anglais, et pas aux États-Unis, peu en France et encore moins en Allemagne. C'est donc une singularité de cette sociologie québécoise, et ne serait-ce que de ce point de vue, elle présente un intérêt pour les Québécois, mais je dirais qu'elle présente un intérêt au-delà du Québec, comme une sorte de sociologie singulièrement enclavée dans la société qu'elle étudie et en même temps dans laquelle elle agit. Mais le Père Lévesque, ce qu'on lui doit, je dirais, c'était, à mon sens, de départager dans nos esprits, à ce moment-là, ce qui nous venait de la philosophie, de la théologie et de la philosophie, et ce qui nous venait de l'empirie. Il est celui dans mes souvenirs qui vraiment le plus servi à ce départage et en même temps à départager et à relier. C'est-à-dire que le Père Lévesque disait souvent que on ne pouvait pas faire une bonne morale sociale si on ne tenait pas compte des recherches empiriques, mais en même temps, les recherches empiriques n'étaient pas de la morale sociale, mais elles pouvaient servir à nourrir une réflexion morale sur la société. Donc, il était peut-être sans le savoir weberien à ce moment-là, mais ça lui venait de sa philosophie thomiste. J'ai un grand nombre de souvenirs de Jean-Jacques Valardeau, parce que d'abord, il a été le premier sociologue que j'ai vu en chair et en os dans ma vie. Il incarnait pour moi la sociologie. Quand je suis arrivé comme étudiant à l'Université Laval en 1947, il était le professeur de sociologie et le seul laïc, d'ailleurs, représentant la sociologie. Et par la suite, j'ai continué à avoir beaucoup de respect pour cet homme qui faisait la trouée de la sociologie à l'Université Laval et en dehors de l'Université Laval, au Québec. Et nous étions, je dirais, d'une autre école de sociologie. Il était de l'école de Chicago avec Everett Hughes et toute l'école de Chicago qu'il avait comme arrière-plan vraiment. Et moi, ben, j'arrivais avec l'arrière-plan de l'école de Harvard à l'époque. C'était les deux grandes écoles concurrentes dans ce temps-là. Et il ne connaissait pas du tout l'œuvre de Parsons. Donc, de ce point de vue-là, il respectait ce que je connaissais de Parsons. Il connaissait très mal Max Weber, Toennies. Bon. Donc, nous avions des mondes différents. Et puis, mais en même temps, là où on pouvait se rejoindre, c'était tout d'abord dans notre préoccupation pour instituer la sociologie à l'Université Laval,
et accueillir ensemble, on le faisait ensemble, les jeunes étudiants qui arrivaient avec toutes les angoisses qu'ils avaient devant cette nouvelle science, devant cette nouvelle discipline dans laquelle ils se demandaient s'ils allaient faire leur vie, leur avenir. À cette époque-là, on se posait la même question qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Les jeunes se posaient cette question-là. On se l'est posé, ma génération. Et les étudiants qui arrivaient derrière nous, la même chose. Donc, on essayait de les rassurer, et puis de travailler à leur offrir les possibilités d'un avenir dans cette profession. Ce qui caractérise pour moi l'œuvre de Marcel Rivioux, c'est qu'il était le sociologue des sources d'innovation dans les lieux où on semble annoncer l'avenir. C'est ainsi que je décrirais le plus simplement possible la sociologie de Rivioux. Il est allé chercher cela, par exemple, à cette époque-là, début des années 60, chez la jeunesse. Hein, il s'est intéressé aux jeunes à cette époque-là. Parce que, et là, il a développé toute une théorie sur la néoténie, qu'il appelait, la néoténie, c'est-à-dire la création d'idées nouvelles qui apparaît dans des groupes sociaux, et en particulier à cette époque-là, les jeunes. Et pour lui, on allait vers une société qui allait être dominée par l'esprit des jeunes, qui allait se poursuivre chez les adultes. Et il y avait du vrai à cette époque-là, d'ailleurs. Je pense que la néoténie, c'est un fait qui connaît des hauts et des bas. Mais à cette époque-là, Marcel Rioux, il voyait plus de hauts que de bas. Colette Moreux arrivait avec une formation très, très française, très européenne, la sociologie, mais à la manière française d'une sociologie élargie, je dirais, sur l'anthropologie. Elle était à l'aise en sociologie, mais avec des intérêts vers l'anthropologie. C'est bien que c'est elle qui a introduit dans notre enseignement à cette époque Lévi-Strauss, le structuralisme de Lévi-Strauss. Et elle est devenue notre spécialiste de Lévi-Strauss. C'est à l'époque où le structuralisme, là, on en parlait de plus en plus à l'intérieur de la sociologie, mais surtout en dehors, et dans la philosophie, dans le monde des arts, de la pensée philosophique. Bon. Et alors, Colette a été notre structuraliste à la Lévi-Strauss. C'était très utile parce que ça a amené, d'abord, ça a ouvert une brèche du côté de l'anthropologie et de l'anthropologie de Lévi-Strauss, qu'elle connaissait à fond. Ça a amené aussi un courant d'air. Ça nous a amené à discuter à cette époque-là de tout ce structuralisme. Et moi, j'avais la réputation, à tort ou à raison, d'être plus fonctionnaliste, disait-on de moi. J'ai pas toujours eu le plaisir de me retrouver là-dedans, mais enfin, on me taxait de plus fonctionnaliste. Et là, ça nous a donné l'occasion, Colette Moreux et moi, d'avoir des échanges très intéressants, à l'occasion de séminaires en particulier, sur d'un côté Lévi-Strauss comme théoricien d'une partie de notre univers intellectuel dans les sciences sociales, et moi, de mon côté, de Parsons et de Weber, qu'elle connaissait moins bien. Et donc, on a eu des échanges fort intéressants à cette époque-là. Hubert Guindon a très peu écrit. C'est un malheur pour nous, parce qu'il a très peu écrit. Il n'a pas écrit de livre. Il a écrit quelques articles, un peu par la force des choses, par suite de circonstances particulières, qui ont fini par être réunis par ses anciens étudiants. C'est à peu près le seul ouvrage qu'on a, malheureusement, qui reste. Mais c'est la pensée la plus originale en sociologie que nous ayons eue, à mon avis. C'est la pensée d'Hubert Guindon. Et il a pu développer cette pensée un peu en retrait, en quelque sorte, à Concordia, parce que, je dis en retrait, parce que Concordia était
Le département de sociologie de Concordia était un petit peu en retrait des autres. Il n'était pas de McGill, il n'était pas de l'Université de Montréal, encore moins de Laval. Et il avait son monde particulier, et puis c'est un petit département qui n'obligeait pas les professeurs à faire de la recherche à l'époque. Donc, Hubert Guindon a pu être un professeur très attachant, ça on le sait. Il avait une manière à lui de séduire les étudiants et d'être très près des étudiants. Et à certains moments, d'une convivialité avec les étudiants qui était remarquable chez lui. Mais en même temps, de sa place à Concordia, il pouvait porter un regard critique sur le nationalisme, sur l'Église au Québec, sur l'État canadien. Et moi, je dirais que la sociologie qui nous reste d'Hubert Guindon, j'appellerais ça une sociologie politique. Parce que ce à quoi il s'est intéressé, c'était aux aspects politiques de l'Église, du nationalisme, de l'État canadien. C'est comme ça que je la classifierais, si je veux la classifier. Il y a Fernand Dumont, qui est évidemment, en quelque sorte, non pas un disciple du Père Lévesque, mais qui a été formé dans le cadre de la faculté des sciences sociales de l'époque, à ce moment-là, au début des années 50, et qui finalement est devenu un des grands symboles, je dirais, Fernand Dumont, du département de sociologie de l'Université Laval. On identifie tout de suite Fernand Dumont lorsqu'on parle du département de sociologie. Il est l'image, il est l'emblème, il est... Par la force de sa pensée. Même si, à mes yeux, Fernand Dumont n'est pas tout à fait un sociologue, il le dit lui-même dans son autobiographie, d'ailleurs, qu'il n'est qu'à moitié sociologue. Et c'est vrai, à mes yeux. Parce que je dirais que Fernand était en même temps un sociologue, mais la sociologie, le cadre de la sociologie était comme trop étroit pour l'étendue de sa pensée. Il a été philosophe, il a été théologien, il a été historien, en même temps qu'il était sociologue. Menant tout cela un peu de front, et poète aussi, avec toujours un style littéraire extraordinaire. La puissance de la pensée de Fernand, c'est qu'il a dépassé la sociologie en un sens, tout en ayant toujours cette base qui était en sociologie quand même. Tandis que Gérald Fortin, qui était une génération plus jeune que Fernand Dumont, Gérald Fortin, lui, était un homme de terrain. Il était, un authentique sociologue. Et lui a repris la tradition de Léon Gérin de revenir au milieu rural. Gérald Fortin s'est intéressé beaucoup au milieu rural. Et aux politiques rurales. Gérald a certainement été, au département de sociologie, celui qui a représenté l'intention méthodologique systématique. J'aime mieux, comme sociologue, bâtir un pays avec mes compatriotes, ou essayer de bâtir un pays avec mes compatriotes, que d'essayer d'avoir une note inframarginale dans un texte américain. Note que vous n'avez d'ailleurs pas souvent. Je savais que je ne serais pas un des grands sociologues du monde qui ferait avancer la discipline avec un grand L et un grand D. Mais la discipline, c'est un moyen de regarder notre société. Je savais que je pourrais en apprendre aux sociologues qui viendraient nous voir sur notre société à nous. Et de la comprendre, elle, ça me suffisait comme défi intellectuel, puis ça me suffit encore. Les sociologues ont souvent la prétention de dire que c'est les sociologues qui font la société. Moi, je dis que c'est la société qui fait ses sociologues. Oui. Et il faudrait peut-être se demander,
On peut poser, je pense, un diagnostic sur une société en regardant une sorte de sociologue qu'elle produit ou ce que ces sociologues sont devenus. C'est un lieu commun de le répéter. Les interrogations de la sociologie changent en fonction des situations où se trouve le sociologue. La situation où se trouvait le sociologue des années 1940 ou 50 n'est pas celle d'aujourd'hui. On a des sciences sociales d'une époque et des personnes de cette époque-là. Et on reflète l'époque dans laquelle on a vécu notre biographie et qu'on a observé notre société. Mais aussitôt que quelqu'un faisait de l'action sociale dans ce temps-là, on appelait d'éminents sociologues. Et c'est un peu comme pour le mot sociologie, on en parlait tout à l'heure. Hein. Petit à petit, à ce moment-là, ça signifiait les sciences sociales en général. Et puis ensuite, petit à petit, ça s'est amenuisé pour signifier uniquement ce que le mot veut dire. Tant à Montréal qu'à Québec, il avait existé depuis 1931 ou 32 des écoles dites de sciences sociales qui dispensaient l'une et l'autre des enseignements à peu près identiques, dont la substance principale était ce que l'on appelait la doctrine sociale de l'Église, donc des cours qui portaient sur les commentaires d'encycliques, les grandes encycliques Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, qui portaient sur les applications concrètes que les théologiens ou des laïcs québécois avaient faites de cette pensée sociale de l'Église. Bref, ceci avait marqué une phase importante et peut-être inévitable dans l'évolution de la pensée sociale dans notre milieu, une pensée qui était généreuse et qui, malgré tout, restait quand même assez préoccupée des situations concrètes et qui l'a été en particulier justement durant les années de la crise. Est arrivé 1938 la fondation de l'École des sciences sociales à laquelle dès le début je me suis inscrit. C'était l'arrivée des sciences sociales dans l'université de la ville de Québec, l'Université Laval, et je dirais aussi dans l'Université québécoise. J'en arrive à l'École des sciences sociales qui a été la première a constitué une école de caractère universitaire offrant des cours réguliers, deux jours, durant un cours de trois années d'études, au terme duquel était décernée une licence en sciences sociales. Et il fallait le baccalauréat pour pouvoir y accéder. Ce que nous avons voulu fonder à Laval, ça n'est pas une école apostolique. Tu poursuis? Des buts religieux, l'application des encycliques sociales qui sont basées sur la théologie. Oui. Mais une faculté de sciences sociales, on est complètement sur le plan naturel ici. Tandis que dans l'apostolat social, vous êtes sur l'apostolat social catholique, comme dans les mouvements d'action catholique, on est sur le plan religieux. On fonde à l'Université Laval une faculté de sciences sociales. C'est-à-dire avec tout ce que ça comporte de nécessité méthodologique, de nécessité de recherche, d'objectivité, et puis même jusqu'à un certain point, d'indépendance de la morale dans la science elle-même. Oui. Et mon idée fondamentale, c'était de former chez nous, grâce à cette première équipe-là, des jeunes que je pourrais envoyer ensuite se spécialiser à l'étranger pour revenir comme professeur à la faculté. Ça a été le cas de Jean-Charles Falardeau, de Maurice Lamontagne, de Maurice Tremblay et de Roger Tremblay, du père Bélanger, de la Bédion, de Jean-Pierre Després, de Fernand Dumont. L'idée, ça a été une formation homemade d'abord, mais pas tellement spécialisé, parce que les cinq premières années, on ne pouvait pas donner d'autre chose qu'une formation sociale, générale. On faisait des généralistes en sciences sociales. Et ce qui était une très bonne affaire, parce que j'ai toujours eu l'idée d'avoir une formation générale en sciences sociales comme base d'une spécialisation.
Parce qu'un sociologue qui ne connaît pas un peu d'économique ou un peu de sciences politiques, il risque de passer à côté. Personne, je pense, parmi ceux de mon âge, ne voulait considérer la sociologie comme une sorte de discipline parfaitement autonome, sans relation avec les autres. À notre époque, nous, on n'imaginait pas faire des sociologues sans les initier à l'économique, à la psychologie, à la géographie humaine, à l'histoire. Donc, on faisait autant d'études dans les secteurs connexes que dans la sociologie proprement dite. Je me dis, Yves Martin, par exemple, était aussi bien démographe que sociologue. La plus grande partie de ses études à Paris a consisté dans un stage à l'Institut national d'études démographiques. Fortin était, à mon avis, aussi bon économiste qu'il était sociologue. Marc Adélard Tremblay était anthropologue et sociologue. Guy Rocher avait travaillé à Harvard aussi bien en psychologie, en anthropologie qu'en sociologie. Jean-Paul Momini est un théologien de formation première. Et si je peux prendre mon cas, moi, je pense avoir été aussi bien intéressé par la philosophie que la sociologie. Donc, je pense qu'il y a là un premier trait assez singulier de ce qu'on a appelé, mettons l'expression entre guillemets, l'école de Laval, c'est-à-dire des gens pour qui la sociologie est une sorte de discipline seconde, ce qui, à mon avis, est assez fidèle à l'histoire de la sociologie. Quand la sociologie est née, on peut dire que tout le territoire de l'étude de l'homme était déjà occupé. Il y avait déjà une géographie, il y avait déjà, évidemment, l'histoire, il y avait déjà une ethnologie. Bon, on pourrait faire l'énumération des sciences de l'homme. Donc, la place pour la description de l'homme était occupée d'un bout à l'autre. La sociologie est une sorte de discipline de surcroît. Et il est normal, je pense, qu'un sociologue soit aussi le praticien d'une autre discipline qui s'intéresse à l'homme. C'est fidèle, je pense, à la genèse de notre discipline. En tout cas, c'est sûrement là une caractéristique, je pense, du groupe de Laval. Dans les deux premières années étaient surtout des années d'études générales. On fait un cours de droit civil. On bouchait les trous avec tout ce qu'on pouvait. Par ailleurs, je pense que ça nous donnait une formation éclectique qui n'est pas à négliger, même pour un sociologue par la suite. Et ensuite, on avait deux ans d'études plus spécifiques en sociologie et sciences politiques, parce qu'à ce moment-là, le département était double. Où là, on a eu les premiers cours de Gérard Bergeron, de Léon Dion, qui sont ajoutés aux cours de M. Falardeau et de Guy Rocher, qui est arrivé la dernière année chez étudiant à Laval. La faculté, c'était un milieu merveilleux de liberté intellectuelle, d'ouverture d'esprit. C'était d'ailleurs, on l'a dit souvent, mais avec raison, un milieu intellectuel assez singulier. Alors qu'à la faculté des sciences sociales, au moment où j'y suis entré, moi, dans les années 50, la plupart des professeurs étaient des professeurs de carrière, assez nombreux d'ailleurs, assez nombreux surtout pour le nombre d'étudiants, nous autres relativement petits que nous étions. Oui. À la faculté de droit, il y avait encore un seul professeur de carrière à cette époque. À la faculté des lettres, il n'y en avait pas beaucoup. La plupart de nos professeurs étaient revenus depuis déjà quelques années de diverses universités américaines, de Harvard, de Washington, de Chicago, etc. Nous apportaient donc les courants les plus récents, je dirais, non seulement de la pensée sociologique, mais plus largement de la pensée économique, politique, américaine. Ce qui donnait, je pense, de l'espace, de l'ouverture. Et surtout, tous ces professeurs nous laissaient dans une très grande liberté de réflexion, de propos, de critique même. Nos professeurs avaient travaillé aux États-Unis dans les universités les plus diverses, donc avaient été en contact avec des écoles et des courants de pensée extrêmement divers. À mon avis, d'ailleurs, assez représentatifs, si on pense à des gens aussi divers comme Falardeau, La Montagne, oui. Maurice Tremblay, Marié, Albert Fauché, etc. Vous avez là quand même une équipe assez considérable. Moi, j'ai eu aussi comme professeur Léon Dion, qui avait étudié en Europe, à Zurich surtout, Gérard Bergeron, qui avait étudié à Paris, mais surtout en droit. Donc, ça faisait du monde. Guy Rocher, qui revenait d'Harvard, où il avait étudié à la fois en anthropologie, en psychologie sociale et en sociologie, particulièrement avec Parsons. Donc, vous aviez là des courants extrêmement divers.
C'était inaccoutumé, je pense bien, au Québec, tout au moins dans une faculté universitaire, pas seulement dans des livres ou des articles, mais dans une faculté, dans un milieu, de trouver une telle diversité d'esprit. On disait que l'école était laïcisante. Oui. Et laïcisante, on reprenait les problèmes de distinction entre national, religieux, puis tous ces problèmes-là. Laïcisante, parce qu'il n'y avait pas assez d'encycliques. Et ensuite, on disait qu'elle était socialisante. Aussi. Ensuite, elle était à gauche, ça va dans le... Et matérialiste, à cause de l'importance donnée aux sciences économiques, puis positiviste, à cause de l'importance donnée à la sociologie, puis aux méthodes, etc. Alors, il fallait montrer qu'une faculté de sciences sociales, même organisée par un prêtre catholique, ça devait faire des sciences, avec toutes les exigences des procédés scientifiques. Mais dès la première année, nous avons fait un centre de recherche sociale. Okay. Dès la première année, pour que les étudiants puissent s'entraîner à la recherche dès leur première année. Et dès leur première année, on leur a fait faire des recherches sur le milieu, sur les immigrants dans la ville de Québec, sur les Juifs dans la ville de Québec, le logement à Québec, et puis tout, sur les allocations familiales, sur un tas de sujets. Et ça a été très actif comme esprit et activité de recherche dès le début. Alors, si je récapitule, si j'essaie de retrouver une trame dans ce que j'ai fait, d'abord seul et ensuite avec d'autres, c'est que je me sentais dans une forêt qui était à peine défrichée. Il y avait eu Léon Gérin, il y avait au-dessus l'abbé Groux, il y avait eu Gustave Lanctot, mais c'était aussi un historien. Il y avait Barbeau, qui s'était surtout occupé de recueillir des légendes, des chansons et des contes, des comptines. Mais la sociologie, la littérature sociologique était inexistante, sauf l'ouvrage que j'ai mentionné, le Saint-Denis de Miner, et la monographie d'Everett Hughes, qui est apparue l'année où je commençais à enseigner, son canton ville. Alors il a fallu, en quelque sorte, nous mettre au métier et y aller par nos propres moyens, c'est-à-dire un peu à la hache, pour nous frayer des sentiers dans cette forêt, ensuite abattre des arbres et dessiner une sorte de paysage et tâcher de voir comment se présentait cette réalité canadienne-française. Donc, la création de recherches sociographiques s'inspire de là. Je disais tantôt, s'inspirait peut-être un petit peu d'un motif positiviste, dans le sens que c'est vraiment très sociographique, qu'il faut prendre l'expression à la lettre. Mais ça s'inspirait aussi d'un désir de combler collectivement et le plus rapidement possible des trous de connaissances invraisemblables. Ça a été une période au cours de laquelle on peut dire que nous avons tenté d'opérer, partiellement réussi, le décrochage d'avec les idéologies dominantes jusqu'alors, idéologies ou bien politiques ou religieuses, mais qui se combinaient encore dans des clichés de rhétorique touchant la vocation rurale et missionnaire du peuple canadien-français, touchant la primauté des valeurs morales et des valeurs religieuses, et touchant surtout l'espèce d'interdit qui, jusqu'alors, vous le savez autant sinon mieux que moi, avait enveloppé tout ce qui touche la vie économique. Chaque département, et à l'intérieur de chaque département, les professeurs, selon leur inclination, ont été presque inévitablement engagés dans des débats qui étaient à la fois intellectuels, idéologiques et très, très concrets, très pratiques. Bon, c'était le régime Duplessis. Je ne vais pas monter en épingle cette période pour faire de nous soit des martyrs ou des contestataires avec des majuscules. Il reste que, en divers lieux du Québec, à cette époque-là, il y avait des éléments agissants et pensants qui contestaient le gouvernement au pouvoir. C'était le journal Le Devoir, c'était la revue Cité Libre,
c'était plusieurs programmes d'émissions de Radio-Canada, c'était aussi à Québec la Faculté des sciences sociales. Nous n'étions pas seuls. Bon, et il y avait plusieurs jeunes professeurs d'université, tant à Montréal qu'à l'Université Laval, qui étaient également préoccupés par l'immobilisme, par les attitudes négatives du régime et sa rhétorique sans lendemain. Les années 50, ce sont des années de bouillonnement intellectuel, non seulement à la Faculté des sciences sociales, mais dans l'ensemble de la société québécoise. Ce sont les années où vont s'élaborer à peu près toutes les idées, tous les thèmes qui sont mis en œuvre ensuite au cours de la Révolution tranquille. De la réforme de l'éducation à la réforme du bien-être social, aux problèmes constitutionnels, à peu près toutes les idées là, qui montent en surface et qui même en quelque sorte sont incarnées dans des institutions après 1960, eh bien dans les années 40 et surtout dans les années 50, elles font l'objet de discussions publiques hein, dans les endroits les plus divers, l'Institut d'opinion publique, une revue comme Relations, publiée par les Jésuites, qui était d'une excellente qualité. Cité libre, bien entendu, auquel on accorde, à mon avis, toujours dans les histoires des idées, l'histoire des idéologies, une place trop importante parce que, je ne dis pas qu'elle n'a pas eu des incidents un peu décisives, mais trop importante dans le sens qu'il y a eu infiniment d'autres courants les plus divers. Prenez la commission Tremblay, par exemple, dont Duplessis a mis le rapport sous le boisseau une fois qu'il a été publié. Eh bien, vous trouvez dans les travaux de cette commission et surtout dans les rapports qui lui ont été présentés, je le répète, à peu près toutes les idées qui seront mises ensuite en œuvre dans la décennie suivante. Je dois avouer que la politique ne nous intéressait guère. Je disais tantôt qu'on était un petit peu positiviste, c'est vrai. Ce qui nous avait passionnés dans nos années d'étudiants, c'était la science. La science. Et on voulait faire de la science. Et on trouvait, à tort ou à raison, mais ça, les jugements de jeunesse, on trouvait, à tort et à raison, qu'on n'en faisait pas assez, que même Cité libre tombait vite dans l'analyse polémique et superficielle, qu'on parlait d'un milieu dans Québec qu'on ne connaissait pas. Mes engagements publics, soit à la commission Massé, surtout, disons, à la commission Massé, là, ça a inquiété certains professeurs. Qui voulait que la faculté, préserver la faculté de ces engagements-là, parce que le doyen engageait plus ou moins la faculté. Quoique j'avais toujours soin de dire que c'était mes opinions personnelles, ça créait un certain malaise. À ce moment-là, ils avaient peur de l'engagement. Mais même ceux qui m'ont reproché le plus mes engagements se sont vite engagés à leur tour. Ouais. Évitez-moi de donner des noms. Ils se sont joliment engagés l'un après l'autre et tour à tour. Il y en a juste quelques-uns qui sont restés complètement dehors. Mais je pense bien que moi, dans le fond, mon idée, je me disais, bon, Duplessis va partir, on va redevenir à une situation un peu normale, on va pouvoir travailler en paix, puis qui se débrouille avec ça, la politique, puis ces histoires-là. C'est pas ce qui est arrivé, bien entendu, parce qu'avec la Révolution tranquille, les vieux problèmes sont reparus en surface, en particulier les problèmes nationaux. Et bien là, vous connaissez un petit peu la suite. Moi et d'autres, on s'est aussi engagés dans cette direction-là. Mais pour le monde de 50 ans et plus, ils se souviennent d'avant également, au moins la décennie ou même de l'après-guerre, de 45 à 60. Et d'une certaine façon, c'est là qu'une période très intéressante. Mais c'est là qu'a été formée également pas mal toute la culture des sciences sociales et l'image de la société québécoise qui a été véhiculée à la jeunesse contemporaine ainsi qu'aux étrangers, etc. Et dans cette image-là, évidemment, l'image que se font des étrangers, c'est que le Québec, c'est une société archaïque, traditionnelle, dominée par une église autoritaire, sinon fasciste. Obscurantiste et antidémocratique, c'est le premier ministre qui le dit, Trudeau, et donc d'une certaine façon, est imbriqué politiquement, très fortement, et qui, au niveau des relations de travail, est antisocial, contre le progrès, etc. Toute cette imagerie-là
Je ne dis pas qu'elle est 100% fausse, mais rendue en 1980 quelques, il faudrait la revoir. Parce qu'au fond, les individus qui véhiculaient cette image de l'Église, ce n'étaient pas des individus totalement désintéressés. C'est-à-dire qu'on commence à concevoir maintenant que même ceux qui pratiquent les sciences sociales, on pense à ça comme une vocation complètement désintéressée, ou on s'imaginait ça peut-être. Mais on était du monde en train de se créer des professions, pas en train de se loger dans des institutions, pas en train de se faire des belles petites carrières, pas si pire, monseigneur, je veux dire, tu sais. 1960, le nouveau gouvernement, phénomène nouveau qui se manifeste dans notre société avec une grande évidence, l'arrivée dans l'administration publique d'universitaires qui constitueront dorénavant quelques-uns des hauts cadres de l'administration publique. L'on songe à Arthur Tremblay et Yves Martin dans le domaine de l'éducation, Jacques Parizeau et Marcel Bélanger dans le domaine économique, René Tremblay, qui était d'ici de Laval et qui est passé au ministère de l'Industrie et du Commerce, et bien d'autres, j'oublie les noms, mais ces gens sont devenus suffisamment nombreux pour être, dans certains cas, les éminences grises des grandes transformations de la structure politique et des politiques, entre guillemets, d'un gouvernement québécois qui, enfin, se libéralisait et qui, enfin, prenait au sérieux l'état contemporain de la société québécoise. Ce qu'il a fait dans le domaine de l'éducation, dans le domaine culturel et dans le domaine hospitalier ou de la santé sociale et tout et tout. À un niveau strictement théorique, quel est le credo de la sociologie comme de l'anthropologie? C'est le relativisme, hein? C'est-à-dire une mise entre parenthèses de toutes les croyances, de toutes les convictions considérées comme vraies à un moment donné. Alors, ce qui m'étonne surtout, c'est justement l'engagement politique des sociologues. Quand on est conséquent avec cette position intellectuelle, qu'on ne croit pas aux choses qu'on étudie, sinon comme des connaissances intellectuelles, hein, comment est-ce qu'on peut s'engager dedans? Celui qui cherche, celui qui pense, doit toujours se dissimuler en tant que je, c'est-à-dire en tant que personne singulière, en dessous de la méthode, en dessous de la déduction, en dessous du raisonnement, ce qui est évidemment une feinte. Il faut dénoncer ça, cette feinte-là. C'est pas tout, c'est pas vrai, ça. Hein? C'est toujours un auteur qui parle, même quand il a l'air de ne rapporter que les leçons éternelles de la logique. C'est lui qui les arrange. Ça, c'est bien évident. C'est bien évident. C'est pour ça qu'il y a plusieurs écoles, aussi bien dans la philosophie que dans les sciences. Ah, vous avez raison de me dire. Est-ce qu'à ce moment-là, vous ne remplacez pas votre idéologie par la leur? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, nos savoirs sociologiques sont des idéologies. Mais elles sont garanties un peu plus que celles des acteurs par une méthode, hein, et par le recoupement aussi des déclarations qu'on a. Hein. Quand quelqu'un vous dit Dieu existe, l'autre vous dit Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que vous faites, vous, là, au milieu? Il faut bien que vous trouviez une troisième voie, qui est celle de la sociologie. C'est que ça n'a pas d'importance ce qu'ils disent, mais pourquoi le premier dit ça? Pourquoi le second dit autrement? Elle se rapporte à ce qui, pour moi, est un postulat de la sociologie, à savoir que cette discipline est à la fois empirique et aussi théorique. Mais elle est d'abord empirique. Et de Chicago, j'avais rapporté cette notion particulière que le sociologue, comme le géographe, est un monsieur qui doit aussi, et peut-être d'abord, apprendre par les pieds, c'est-à-dire en marchant, en circulant, en regardant sa société de près, en observant de différentes façons. En tout cas, me semble-t-il que je garde ça de l'anthropologie où on écoute le monde. Parce qu'il m'est arrivé quelquefois d'amener sur le terrain des collègues sociologues, et c'est pas possible, ils disent la vérité aux paysans. Mais ça m'a confirmé dans une espèce de vocation qui était celle de connaître les gens, les laisser parler, les faire parler, et essayer aussi d'interpréter le plus globalement possible, n'est-ce pas, tous les aspects de la vie. Je crois qu'un bon sociologue ne peut pas procéder autrement, qu'il doit demeurer en éveil, et surtout s'il s'agit de nous, sociologues du Québec, être très, très éveillé, de plus en plus éveillé et curieux, non seulement de voir ce qui se passe, ce qui est déjà une chose assez difficile, c'est-à-dire voir ce qui se passe sans lunettes, sans barrières idéologiques, sans doctrine a priori toute faite, qui viendrait définir la société québécoise à partir de postulats du début du 19e siècle, vous savez de quoi je veux parler, la voir d'abord
et ensuite comprendre ce qui se passe. Mais de comprendre ma société, laquelle j'appartiens, ça m'a toujours passionné. Maintenant, de l'organiser, ou de la diriger, ou de la changer, ça m'a jamais tellement intéressé. À ce niveau-là, j'ai été beaucoup plus spectateur qu'acteur. Et donc, au niveau de la sociologie engagée, j'ai pas été dans l'action. Même aujourd'hui, je suis plus spectateur. Ça veut pas dire que je suis indifférent, mais je suis un peu plus spectateur. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça. C'est les savoirs sociaux. C'est pourquoi tels gens croient à telle chose, agissent en conséquence, ou, si on renverse le problème, agissent de telle manière et se donnent de bonnes raisons pour agir de cette façon. Hein. Donc, tous les problèmes qui tournent sur les questions du rapport entre ce que les gens font, sont et ce qu'ils pensent. Je prends les déclarations orales comme des savoirs, justement, qu'ont les gens sur les choses ou des idéologies, mais à partir de là, il faut faire un traitement. C'est-à-dire ce qu'on appelle évidemment une interprétation pour les sociologues. Hein. C'est un petit peu comme la façon dont travaille le psychanalyste. Ce que lui disent les patients, ça veut dire quelque chose, ça représente quelque chose, mais lui, il va chercher une autre vérité derrière ça. Hein. Alors, quand quelqu'un vous dit « je crois en Dieu, je crois à la Trinité, je crois à la Sainte Vierge », ça veut dire quelque chose. Ça ne veut pas dire d'une part que Dieu existe, ni que la Sainte Vierge existe, bien entendu. Hein? Mais ça ne veut rien dire non plus sur l'affiliation religieuse de la personne. Ce que ça veut dire, je ne peux pas le dire au départ. Il faut le chercher, il faut confronter ces déclarations-là avec d'autres, confronter avec les comportements, et puis on voit le sens qu'on peut donner à ces déclarations-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une idéologie, un savoir social, une déclaration orale, son sens réel, ce n'est jamais celui qui est dans les mots. Parce que toute la vérité se passe évidemment au niveau de l'inconscient des personnes. Alors vous allez me dire, de quel droit le sociologue se reconnaît le pouvoir, lui, de savoir, d'aller chercher dans l'inconscient des gens, de savoir mieux ce que la raison profonde des comportements des gens que les gens eux-mêmes. Alors je suis bien d'accord avec vous, c'est un problème. Il n'y a pas de raison que nous, sociologues, parce qu'on a été 3 ans ou 4 ans à l'école de plus qu'eux, ayons le privilège de la vérité, hein. Mais ça fait partie des postulats de notre discipline. Je prends ces trois voies, ou ces trois points de vue sur le social historique, le point de vue positif, le point de vue herméneutique et le point de vue critique. Bon, je ne cherche pas de querelle au point de vue positif. Bon, il y a des gens qui comptent des choses, qui décrivent l'état du mieux qu'ils peuvent. Il y a des gens qui interprètent, si vous voulez, les écrits, et remonte au texte sacré, l'exégèse et la psychanalyse peut être, bon, ce qui s'est passé dans votre... On cherche une vérité à restaurer, le texte qui a été corrompu, altéré, etc. Bon. Le point de vue critique, lui, veut unir, si vous voulez, les jugements de faits. C'est pas quelqu'un qui ne tient pas compte des faits. Mais il tient compte aussi des jugements de valeur. Il les explicite. Il dit la couleur. Il annonce la couleur. Et il n'est pas non plus imperméable à l'action. Je dirais une grande majorité des sociologues qui ont été formés depuis les années 60 sont devenus fonctionnaires. Il y en a un petit nombre qu'on trouve à l'université. Là-dessus, il y en a qui continuent à faire leur métier, disons, de façon tranquille. Et un certain nombre qui se caractérisent beaucoup plus par la critique que par la vision. Et c'est dans ce sens-là que j'ai l'impression qu'actuellement, il n'y a pas de... Le Québec n'a plus de rêve. Et je pense qu'avant ça, c'était peut-être le rôle de la sociologie des années 60 et 50, de présenter des espèces d'utopie de rêve à la société. Il s'agit d'élucider, si vous voulez, des pratiques émancipatoires ou des... à côté, si vous voulez, de la critique proprement dite de la société. Il s'agit de voir ce qui veut naître, n'est-ce pas? Ce qui meurt, bon, ou ce que nous croyons qu'il est en train de mourir, ça fait partie, si vous voulez, de la partie critique. Hein? Oui. Et ce qui veut naître, ce sont les collectifs, les groupes, qui pose des actions émancipatoires. Alors, il faut, me semble-t-il, aller
aller chercher ces groupes-là et essayer d'analyser, si vous voulez, leurs pratiques pour préparer peut-être la voie à de nouvelles ruptures significatives dans cette forme culturelle qu'est le capitalisme, c'est-à-dire envisager du point de vue d'une sociologie critique dans la façon dont j'envisage. Et probablement, le rôle que je verrai à la sociologie éventuellement, c'est d'articuler des valeurs nouvelles. On a détruit les vieilles, mais on n'a plus bien des nouvelles. Et les nouvelles, c'est probablement pas au niveau des idéologies qu'on a connues depuis les années 20 ou 30. C'est peut-être au niveau des solidarités humaines beaucoup plus élémentaires. Le sujet qui va, collectif historique qui va faire changer la société n'est peut-être pas exclusivement, à coup sûr, à mon avis, le prolétariat. Donc, il y a d'autres groupes dans la société qui, dans leur vie quotidienne, ont provoqué ou provoquent ou vivent des ruptures significatives avec la forme culturelle du capitalisme, de la société ou du mode de production capitalisme. Bon, on n'a qu'à penser au travail, à la sexualité, à la religion, aux relations, si vous voulez, entre les hommes. Et ce qui m'apparaît très significatif et très important, c'est le rapport à la nature. D'un côté, je me dis, les sciences de l'homme sont nées du fait que le visage de l'homme s'est défait, que l'homme est en crise. C'est pour ça que les sciences de l'homme ne sont pas nées, contrairement aux idéologies positivistes ou autres, d'une entreprise de connaissance. Elles sont nées de la crise de l'homme. Et comme elles sont nées de la crise de l'homme, leur tâche, c'est moins de connaître l'homme que de construire l'homme, de construire la culture, bien entendu aussi. Voilà, me semble-t-il, une ambition qui mérite d'être analysée d'une manière extrêmement critique. Il y a une chose qui me frappe toujours, c'est que les gens qui sont non-sociologues, qui sont au pouvoir, comme tous les gens qui définissent et qui pensent actuellement dans une société, que ce soit le Québec ou ailleurs, parlent le langage des sciences sociales, c'est bien évident. Oui. Alors, de cette constatation-là, qui va de pair avec la constatation que la sociologie sait, qu'elle est une science qui sait, qu'elle peut donc organiser socialement, il y a, au Québec comme ailleurs aussi, un attirement des sociologues par le pouvoir. Mais si vous avez au départ le postulat que la science sociologique est une science, ça va. Si, ce qui est ma position, vous avez au départ la position que la sociologie n'est pas une science, mais une idéologie, qu'est-ce que vous constatez ? Que simplement, il y a une collusion entre actuellement les idéologies sociologiques et les idéologies des gens au pouvoir. Les politiciens parlent le langage de la sociologie, les sociologues, qui parlent apparemment leur propre langage, ont les mêmes idées que les politiciens sur les choses. Il y a toujours eu des gens qui étaient des bons politiques, avant que la sociologie existe. Donc ce n'est pas la sociologie qui fait qu'on est un bon politique. Elle ne le fait pas davantage parce qu'elle ne sait pas. Et vous n'avez aucun exemple, j'imagine, d'une décision sociologique explicite sortant d'une théorie sociologique qui ait débouché sur une pratique sociale adéquate. Sociologie, elle avait fait jusqu'à maintenant surtout des conneries. Tout ce qu'elle fournit de, peut-être, c'est même pas valable, mais d'intéressant, de drôle, c'est qu'elle elle informe l'ensemble de la société de ses langages. Tout le monde parle langage de sociologie. Mais rien ne va changer dans un gouvernement parce qu'il y a des sociologues qui sont là. Ça, je suis bien sûr de ça. La sociologie, j'y faisais allusion tantôt, c'est une science qui est née sur un terrain déjà occupé. Sa fonction, c'est je ne dirais pas de résumer, comme l'espérait Durkheim et d'autres, de résumer ce qu'apportent les autres disciplines, ce qui est parfaitement ridicule dans l'état actuel où se trouvent les sciences. Mais c'est d'une part de voir en quoi, je parle toujours du rapport entre la sociologie et les autres disciplines, mais c'est de voir en quoi ces autres disciplines s'enracinent dans les pratiques collectives des hommes, que ce soit la psychotechnique dans l'usine, que ce soit l'économique dans l'État, que ce soit la géographie dans l'aménagement du territoire, que ce soit la psychanalyse dans la psychothérapie, que ce soit la psychologie dans la pédagogie, peu importe,
Les sciences de l'homme, maintenant, sont insérées dans toutes les pratiques sociales. Hein? Bien, il me semble que la sociologie, dont l'objet est avant tout la considération d'ensemble de la société et de ses pratiques, considération d'ensemble de la culture aussi, que sa fonction, quand on la considère directement par rapport aux autres disciplines, c'est de faire la critique, je ne dis pas le jugement, mais la critique au sens où Kant parlait de la critique de la raison pure, il n'en parlait pas comme un critiqueux de la raison pure, mais comme une évaluation, pour ainsi dire, une remise en cause. Eh bien, c'est la fonction de la sociologie de réexaminer ainsi le destin des sciences de l'homme, non pas seulement dans leur avenir de connaissance, mais dans leur participation à la construction du monde dans lequel nous sommes, que ce soit dans l'école, dans l'usine, dans la planification, dans l'État, etc. Il me semble que ça ne donne pas à la sociologie une place prééminente. Ça la ramène tout simplement à sa question première, c'est, qui était déjà posée par Saint-Simon et par Auguste Comte, quel est le destin du savoir, non pas seulement lui-même, mais dans son insertion dans le devenir des sociétés et des cultures. S'il est vrai que les sciences de l'homme sont nées de la crise de l'homme, c'est cette crise elle-même qu'il faut examiner et qu'il faut évaluer comme une crise de culture, c'est-à-dire en quoi la culture contemporaine est-elle un vide qui permet à la science, aux anthropologies, de s'étendre. Voilà une tâche, donc, de critique de la culture. À l'opposé, qu'est-ce qui s'instaure dans ce vide? Comment l'entreprise qui s'installe dans ce vide se construit-elle? Dans la science économique, dans l'ethnologie, dans la psychanalyse, dans l'histoire, etc. Ça, c'est une tâche, disons, de critique qui porte cette fois-ci sur les sciences, sur les anthropologies, y compris sur la philosophie. Vous voyez, je pense, la réciprocité, même si je m'exprime d'une manière... Je simplifie à l'excès, sans aucun doute. Mais vous voyez un peu ce qui fait la complémentarité de ces deux tentatives, à mon avis, indissociables, qui consistent à poursuivre à la fois une critique de la culture et une critique des sciences de l'homme. Le gars qui a rendu plus service au Québec, c'est peut-être Duplessis. Parce qu'il a bloqué. Il a bloqué le Québec. Les intellectuels du temps n'avaient pas de place au Québec. Ils ont trouvé de se battre pour avoir une place. Ils ont trouvé à ce moment-là d'être imaginatifs, de proposer d'autres choses. Seulement, j'ai l'impression que l'intellectuel, justement, rentre trop facilement dans la structure existante. Il devient facilement sous-ministre, sinon ministre. Les plus jeunes rentrent comme fonctionnaires, même les critiques trouvent des jobs payants. Plus personne qui a besoin de... Il n'y a plus de principe d'opposition, dirait Touraine. Et s'il n'y a pas de principe d'opposition, ben, on rentre en patente, on trouve ça plate. Mais dans le fond, on n'a plus de défis. Dans les gras durs, on n'a plus de défis. Et en même temps, tout est trop facile pour l'intellectuel. Puis pour les autres aussi. on fait des grosses luttes épouvantables sur 50 piastres par mois comme fonctionnaire ou comme ci ou comme ça. Mais ça, on ne fait pas des luttes sur des sociétés, on fait des luttes sur 50 piastres. On fait des luttes sur un voyage à Acapulco ou pas dans l'année. Notre État est devenu, sans le dire ou en le disant, de plus en plus socialiste, mais au sens où les politiques sont de caractère étatique, viennent d'en haut et prolifèrent dans une technocratie, une bureaucratie qui risque d'être macrocéphale. Nous sommes dans une société étatisée et presque tous les secteurs de la vie collective deviennent étatisés. Depuis les écoles et les universités jusqu'aux hôpitaux, en passant par toutes les activités économiques et sociales. Il faut que les gens luttent contre cette emprise, cette bureaucratisation incessante, et on le voit bien en ce moment, alors que les mouvements ouvriers luttent contre l'État patron, même si idéologiquement ils participent à l'idéologie du gouvernement péquiste, ils sont obligés de s'opposer à l'État patron.
Croyez pas qu'on va vers une société où, justement, en voulant éliminer tous les troubles, on enlève le sens et l'essence. Le sens avec un grand S et l'essence, hein? Et puis que ça devient pas mal plate à vivre, hein? Une société programmée, une société où tout serait rationnel, où tout serait prévu. Est-ce que c'est vers ça que les idéologies actuelles veulent nous emmener? Mm-hmm. Hein? Heureusement que le sociologue n'a pas grand pouvoir, parce que si on l'écoutait, on serait complètement fou. Hein? C'est absolument absurde tout ce qui peut s'écrire. Si vous parlez du pouvoir, justement, on peut relier ça. Le pouvoir du sociologue actuel, c'est peut-être celui-là. C'est que comme il est cru, comme ce qu'il écrit n'a pas fait figure de vérité, et comme il y a beaucoup de sociologues qui font que tous ces gens aient une place dans la société, gagnent leurs sous et soient connus, c'est à celui qui écrira les choses les plus abracadabrantes. Sociologue, ça marche. Il faut caser tous ces gens-là qui ont des diplômes et qui se croient des mystiques ou des missions de définisseurs. Alors, puisqu'il faut définir, définissons. Disons les choses encore plus extravagantes, plus extraordinaires, plus imprévues, que nos petits copains, puis ça va aller. Les sciences ne sont pas des instruments qui permettent de faire l'avenir. Les sciences humaines ne sont que des médiations. Contrairement à ce que pensaient nos ancêtres, les ancêtres de nos disciplines, Auguste Comte, Saint-Simon, et même Durkheim, d'une manière plus raffinée, mais il le pensait quand même, les sciences ne remplace pas les objectifs, les angoisses, la quête incertaine que les hommes font de leur destin, soit personnellement, soit en commun. Les sciences ne sont que des médiations, je le répète, ne sont que des instruments. Ce ne sont jamais des miroirs et encore moins ce qui remplace l'affirmation, l'engagement de l'homme, surtout la croyance en l'homme, que la science ne peut pas donner.